Salut à tous, c'est Nicolas Mougin. Je suis champion d'Europe de roller freestyle. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir été choisi comme parrain au sein de la maison familiale de Blaye pour votre formation. Voilà, mon parcours, ça fait plus de 20 ans que moi je fais des sports urbains, enfin du roller en l'occurrence. À côté de ça, j'ai un travail, je suis conseiller en transmission d'entreprise pour la Chambre de métiers d'Alsace. Et puis j'ai aussi une passion pour la musique, pour le jazz, et j'ai un groupe de jazz manouche. En fait, moi, mon leitmotiv dans la vie, c'est que j'ai la chance d'avoir un tempérament passionné, donc j'aime bien apprendre, j'aime bien que chaque jour qui soit passé, j'ai appris quelque chose ou je sois meilleur que la veille. Donc que ce soit dans mon travail, dans la musique ou dans le sport, il faut continuellement que j'essaie de progresser. Ça me fait me sentir bien. Alors, je ne me considère pas spécialement comme doué dans quoi que ce soit que je fasse. Par contre, en tant que passionné, du coup, j'ai vraiment un goût pour le travail et je passe beaucoup de temps à essayer d'être meilleur dans ce que je fais. Je crois que c'est Jacques Brel qui disait que le talent sans travail, c'est juste un vilain défaut, et je suis assez d'accord avec ça. Alors, je vais pas vous cacher, parfois c'est difficile, hein, de toute façon. Dans mon sport, en plus, on se blesse souvent, donc j'ai eu de nombreux accidents. Les médecins m'ont dit plusieurs fois que je pourrais plus continuer. Et à chaque fois, j'ai travaillé pour reprendre et puis j'ai réussi à continuer à progresser et à devenir chaque fois meilleur. L'avantage de ça, c'est que ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, d'avoir la chance d'avoir une reconnaissance aussi par rapport à ce que j'ai fait, de voyager partout dans le monde pour mon sport, que ce soit aux États-Unis beaucoup, au Japon ou partout en Europe. La musique, c'est pareil, ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais sans doute pas rencontrés autrement et qui sont aujourd'hui devenus mes amis, avec lesquels on fait des concerts, ça me permet de me produire en public. Pareil, de se mettre toujours un petit peu en difficulté parce que c'est chaque fois un challenge, chaque fois du stress pour essayer de donner le meilleur de soi-même. Et aujourd'hui, c'est ce qui me rend heureux. Et je pense que notre première responsabilité dans la vie, c'est d'essayer de trouver sa voie pour être heureux, avoir une bonne estime de soi. Parce que vous ne serez jamais bien avec les autres si vous n'êtes pas déjà bien avec vous-même. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'essayer de trouver votre voie et d'être heureux dans ce que vous faites. Moi, c'est la mienne que je vous partage, dont je vous partage l'exemple là aujourd'hui. À vous de trouver la vôtre. De toute façon, il n'y a pas de chemin tout tracé. Chacun doit trouver le sien. Et je vous souhaite bon courage pour ça et profitez bien de cette formation parce que l'apprentissage, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de rentrer de façon efficace dans la vie active, d'apprendre un métier qui vous permettra d'être valorisé dans ce que vous faites. Et on a tous besoin de ça, on a tous besoin de reconnaissance. Donc, tout le meilleur pour vous et peut-être à bientôt. Au revoir.